Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment aller chercher ce bouclier des stocks, le bouclier des stocks de Caria, sans combattre un seul monstre ou un seul boss. Vous pourrez donc l'utiliser dès le début du DLC. Je précise également que aller rechercher ce bouclier n'aura aucun impact sur vos quêtes. Vous aurez simplement un sceau qui va se briser à l'approche du château noir. C'est une étape obligatoire pour pouvoir avancer dans une quête. Mais cela n'aura aucun impact négatif, aucun problème lié aux personnages non joueurs qui sont disponibles dans ce DLC. Donc vous pouvez aller le chercher sans crainte. On est donc parti pour une longue balade. Je ne vais ramasser aucun autre objet sur le chemin pour ne pas vous spoil ou quoi que ce soit. On va simplement débloquer certaines grâces. Ce sera surtout pour vous aider à vous repérer et à savoir où vous êtes. Cela vous fera entre guillemets quelques checkpoints sur le parcours. J'interviendrai donc à l'oral uniquement quand ce sera nécessaire, mais honnêtement, le chemin est vraiment très simple. Prenez simplement le temps de bien suivre le chemin que je parcours et au travers du chapitrage de la vidéo, vous pourrez retrouver des grâces qui vous serviront donc de checkpoint. Au cas où vous êtes perdu, eh bien, vous pourrez revenir à la grâce précédente, regarder attentivement de nouveau la vidéo et pouvoir ensuite avancer à l'étape suivante. Sur ce, eh bien, bon jeu et à tout à l'heure.
En arrivant à cet endroit, vous normalement, l'ascenseur il sera déjà en bas, donc vous pourrez monter immédiatement dessus. Si jamais vous êtes poursuivi, cela vous permettra de fuir rapidement. Nous sommes enfin arrivés à destination. Prenez absolument la grâce, car maintenant il ne vous reste plus qu'à aller récupérer le bouclier, mais il est gardé par des monstres, notamment un qui peut être un peu dangereux. Je vous invite à faire tout le chemin en courant, c'est-à-dire en partant depuis la grâce. Dès que vous partez, vous commencez à sprinter. De cette manière, si jamais il y a un problème, que cela se passe mal, eh bien vos runes seront juste à côté de la grâce. Ainsi, vous pourrez les récupérer plutôt facilement. Et juste devant ce chevalier de feu, il y a le bouclier à cet endroit. Et voilà, comme promis, eh bien je vous ai montré qu'il était tout à fait possible d'aller chercher cette arme dès le début du DLC sans faire le moindre combat. Et donc maintenant, vous allez pouvoir commencer votre aventure avec cette arme et vous faire plaisir avec dès les premiers donjons. Alors, je le rappelle, mais j'ai réalisé une vidéo de build autour de cette arme qui est franchement exceptionnelle. Elle est vraiment excellente, mais c'est une arme qui est également très technique et qui vraiment nécessite d'être comprise et bien maîtrisée pour pouvoir vraiment exploiter à fond toutes ses capacités. Donc, je vous invite fortement à aller voir la vidéo que je vais mettre en description. Elle sera également disponible en haut à droite tout de suite maintenant, pendant que je vous parle, et cela devrait vous aider à la comprendre et surtout à mieux apprécier cette arme. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, et bien comme d'habitude, hein, je vous invite à la like. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour encore plus de contenu sur ce DLC. Et sur ce, et bien je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!